What's the news on our friend, Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Chapitre 4. Empêcher l'assassinat de Léon. Ok. Donc on est ici, notre but c'est d'aller juste là. Actuellement, notre but est d'autant plus simpliste qu'il n'y paraît. Allez, go! Lance grappin! Ok. Donc là, on va devoir se dépêcher de passer. Voilà. Ensuite, notre but, c'est de passer là. Go. Là, le but, c'est quand même de jouer aux pompes, hein. Histoire de se frayer un chemin. Voilà, notre but, ça va être de se frayer un chemin. Allez. On monte. Ensuite, voilà, histoire de recharger parce que c'est un peu le mieux à faire quoi. Et je m'en souviens pas d'avoir un TMP. J'ai des munitions TMP mais j'ai pas de TMP. Donc autant virer des trucs que je n'ai pas quoi. Non, je me souviens de ce niveau. J'appelle ça le niveau à la con. Ouais, je l'appelais vraiment le niveau à la con.
Mais il est résistant ce con. Ok. Voilà, nique ta mère. Ah, tu m'as cassé les couilles. On va attendre qu'il tire l'autre là. Alors je sais pas si je vais dans le bon chemin. Voilà. Mais il va pas me laisser tranquille lui. Voilà, il faut une batterie ici. Ah, j'ai peut-être pas la bonne. Voilà, tire. Là, c'est bon, j'ai la bonne. Oh ! Le contrôle est juste trop bizarre. Enfin, ouais, le contrôle est bizarre, bizarre, bizarre. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que c'est assez spécial comment ils ont fait. Allez, on monte là-haut. Ah oui, là il faut le rouge. Ok, faut passer en dessous. Ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir les sniper pour éviter avoir affaire à eux. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est le mieux à faire. Alors, c'est bizarre qu'avec idée, on peut pas. Comment expliquer ça? Bah, on peut pas recharger comme on veut en fait, c'est ça le souci. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça avec elle. C'est un système assez spécial, hein. Mine de rien, c'est assez spécial. C'est très très spécial. Souvent mentir.
Oui, je comptais sur l'explosion. Je comptais sur l'explosion du machin. Et là, est-ce que j'ai un coup de cul? Oui. Un énorme coup de cul. Mais par contre, comment on descend? Ah là. Maintenant il faut partir, mais comment? Enfin, où? C'est ça en fait. Ah, faut que je retourne sur le putain de bateau. Et merde, je suis pas descendu. Bon bah je vais perdre du temps, c'est pas grave. Allez. On peut y arriver, on peut y arriver, on peut y arriver. Il y a une plante au fond. On peut y arriver et on peut se soigner. Ok. Alors, logiquement, on a le temps de partir, logiquement, hein. Moi je dis. Allez, go. Bon. C'est ce moment-là que j'appelais le moment casse-couille. Ok, des carreaux d'arbalète, ouais. Moment casse-couille parce que tu te fais canarder de partout. Et quand tu t'y attends pas, c'est la merde. Alors. Is that all, stranger? Is that... Thank you. What are you buying? Bah déjà, je vais acheter un spray de secours, déjà, mec. Thank you. L'arbalète à 70 000 quand même, hein. Thank you. Come back. Come back anytime. Est-ce que je peux te racheter un spray maintenant que j'en ai qu'un sur moi? Voilà, tu peux en acheter que deux maximum sur lui. Enfin, que deux qui viennent de lui, quoi. Allez, go.
À force que tu connais les patterns, tu sais qu'il faut esquiver à gauche ou à droite. Plein de trucs comme ça, quoi. Tu sais qu'il te dit, tu sais qu'il te dit, que tu te dis qu'il faut rusher, quoi. Tu te dis, ouais, il faut quand même que je rush. Voilà. Ça, moi, tu passes tranquille derrière. On se dépêche de le retirer de son étreinte. Et on rush. Bon là par contre il commence à faire mal. Attends, je viens de me soigner il y a 2 secondes. C'est pas un peu abusé? Je viens juste de me soigner. Bon allez, allons-y. Ah bah c'est là qu'il faut aller pour Léon. Attends. Oui, logiquement oui. Parce que là il a pu hacher avec lui, donc oui. Donc c'est ça. Une grenade aveuglante, ça servira à rien contre eux. Ben, maintenant, si. On prend le fusil à pompe en cas où. Mais on devrait arriver bientôt là. Ouais. Allez, on y go. J'arrive, Léon. In the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Leon S. Kennedy. Perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius,
He has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent is toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here, though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him.